Au lendemain de l'invasion russe, Bernard-Henri Lévy a tourné le film « Pourquoi l'Ukraine ?», qui avait été diffusé à l'époque sur la chaîne Arte. Le réalisateur et homme de lettres va finalement sortir une suite, sous la forme d'un documentaire, intitulé « Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine », qui sera projeté au cinéma dès le 22 février 2023. Ces images ont été présentées au public, en avant-première, le 6 février au cinéma Balzac, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Si est-il dans cette salle que Bernard-Henri Lévy est venu présenter et défendre les couleurs de son projet. Ce dernier était évidemment accompagné de son épouse Ariel Dombal, très occupée ce jour-là puisqu'elle a également assisté à l'avant-première d'Alibi. Comme deux, dans la même tenue, mais aussi de sa fille, Justine Lévy, fruit de ses amours passés avec le mannequin Isabelle d'Outreluigne. La présence de son enfant n'a pas empêché le cinéaste de montrer son affection sans limite pour sa femme. Ni Justine, ni son mari Patrick Mill. Ni le reste de la longue liste des invités. Et ils étaient nombreux à venir assister à cette projection exclusive de Slava Ukraini. Étaient notamment présents, Anne Hidalgo, François Hollande, Roselyne Bachelot, Patrick Bruel, Claire Chazal, Jean-Charles de Castelbajac, Golshifteh Farahani, Caroline Fourest, Laurent Geoffrin et sa femme Sylvie, Marc Lambron, Ali Madavi et sa mère, Daniel Thompson, Jean-Marc Dumontet, Bertrand Burgala, le professeur Étienne Beaulieu et sa femme Simone, Jean-Michel Blanquer, Philippe Douste-Blazy et sa femme Marie-Yvonne, Pierre-François Veil, Olivier Orban et sa femme Christine, Alexandre Arcadie et sa compagne Sabrina Guigui, Stanislas Mérard, Pascal Bruckner, James Thierry, Jean-Pierre Elkabbach et sa femme Nicole Avril, Adèle Abdesmed, Albina Dubois-Rouvray, Anne Sinclair, Pia de Brandt, Marc Tessier, Jean-Paul Enthoven et sa compagne Patricia Della Giovanpaola, Marie Beltrami, Nicole Wisniak et Virginie Thévenet. On relève également la présence de Michèle Halberstadt, la distributrice du film, de Delphine Ernot, la présidente de France Télévisions, du militaire ukrainien Ilya Samoïlenko, du musicien Slava Vakarchuk, de Maurice Lévy, le président de Publicis, de l'ambassadeur d'Ukraine en France Vadim Omelchenko, ainsi que de Nicolas Sedou, le PDG et propriétaire de Gaumont et du producteur Marin Karmitz. À votre tour, bientôt, de visionner le nouveau documentaire de BHL.